Philippe, on y arrive, c'est Paris-Roubaix. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de votre première expérience de Paris-Roubaix? C'était un peu dur, je crois. Il y a 11 ans, ouais, c'était totalement différent. Je veux dire, c'était pas une équipe du tout qui avait l'ambition de gagner, parce qu'on était une petite équipe à la française déjà à l'époque. Et puis, voilà, on n'avait pas le matériel. Moi, personnellement, j'avais pas la préparation physique idéale. Et puis, j'étais trop jeune, trop tendre pour ce genre de course. Donc, je veux dire, c'était un essai, un test. Et puis, finalement, j'y suis jamais retourné depuis. Mais maintenant, j'y retourne avec un état d'esprit totalement différent. Vous n'aviez pas aimé la première fois? J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est une question. Non, j'ai jamais dit ça, non. Et maintenant, justement, vous y retournez, dans quel état d'esprit? On sait que Paris-Roubaix, c'est une course où l'expérience compte beaucoup. Qu'est-ce que vous imaginez pouvoir faire sur Limoges? Je veux dire, j'ai travaillé beaucoup pour cette course. Après, on a une des meilleures équipes du monde en ce moment. Et voilà, on espère être là dans la finale pour la victoire. Et après, c'est la même mentalité, la même approche qu'au Tour des Flandres. On court sur le collectif et après, voilà, chacun espère personnellement être devant, mais si ce n'est pas le cas, il sait qu'il travaillera pour un équipier, donc voilà, c'est toujours bien. Vous-même, vous avez fait beaucoup de travail pour l'équipe jusqu'à présent. Oui, oui. C'est dire que dans cette perspective, Paris-Roubaix, peut-être qu'on espère un peu travailler en retour aussi. Bah, je pense qu'on verra la situation de la course dimanche. Je ne sais pas qu'on va dire... à l'avance qu'on va faire, donc il faudra être réactif et être là au bon moment, au bon endroit. Un mot sur votre adversaire. Thierry Gouvenou disait que on a vu que ils sont acculés, vos adversaires. Quickstep est vraiment dominatrice. Il proposait par exemple qu'ils s'allient les adversaires, c'était peut-être une solution. Qu'est-ce que vous attendez vous-même de vos adversaires? Ils vont devoir changer de tactique forcément, puisque sinon ça va être un peu le Tour des Flandres bis repetita. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Bah, nous, on s'attend à faire notre course et adapter notre tactique par rapport à la situation. Et après, ce que les autres feront, on s'adaptera à leur comportement. Et voilà, je ne peux rien dire de plus.